Jean, d'où nous arrives-tu à présent? Est-ce de chez toi, d'Éphèse? Pas du tout, Socrate. Je viens d'Épidaure, des fêtes d'Asclépios. Tâchons de saisir cela en raisonnant sur des exemples. L'art de la peinture est-il un art qui forme un tout? Oui. Il y a donc et il y a eu beaucoup de peintres, bons et mauvais. Oui, parfaitement. Or, as-tu déjà vu quelqu'un qui ait le talent de faire voir dans les peintures de Polygnote, le fils d'Aglaophon, ce qui est bien et mal peint, mais qui soit incapable à le faire quand il s'agit des autres peintres? Quelqu'un qui, alors qu'on expose les œuvres des autres peintres, se met à somnoler, n'a rien à dire et ne sait pas quoi proposer. Non, par Zeus, je n'ai jamais vu quelqu'un comme cela. Et si l'on prend la sculpture, as-tu déjà vu quelqu'un qui, à propos de Dédale, le fils d'Épéios, de Métion, fils de Panopée, de Théodore de Samos, ou de n'importe quel sculpteur, et de lui seul, ait le talent de faire l'exégèse de ce que le sculpteur a bien sculpté, mais qui, quand il s'agit des œuvres des autres sculpteurs, ne sait pas quoi proposer, ne peut pas dire un seul mot et se met à somnoler? Oh, comme ce n'est pas grâce à un art que les poètes composent et énoncent tant de beauté sur les sujets dont ils traitent, non plus que toi, quand tu parles d'Homère, mais que c'est par une faveur divine, chaque poète ne peut faire une belle composition que dans la voie où la muse l'a poussée. Tel poète dans les dithyrambes, tel autre dans les éloges, celui-ci dans les chants de danse, celui-là dans les vers épiques, un dernier dans les liandes. Les poètes ne sont rien que les interprètes des dieux, et chacun d'eux est possédé par le dieu qui s'est emparé de lui. Que je ne te donne pas l'impression de dire la vérité, Ion. Oui, par Zeus. C'est l'impression que j'ai. C'est que je ne sais comment, Socrate, tes paroles touchent mon âme. Justement, il me semble que c'est par une faveur divine que les bons poètes sont des interprètes envoyés auprès de nous par les dieux. Il ne supporta pas de rester. Il laissa derrière lui les portes de la ville et partit en fuyant. Achille fonça, sûr de la vitesse de ses pieds, comme un milan des montagnes, le plus léger des oiseaux, poursuit facilement la colombe craintive. Elle fuit, plus bas que lui, tout près, avec des cris aigus. Il lui lance des attaques fréquentes. Son cœur lui dit de la prendre. Ainsi, allait Achille tout droit, enivré, tandis qu'Hector, tremblant sous les murs des Troyens, faisait mouvoir très vite ses genoux. En tout cas, moi, je saurais ce qu'il siérait à un stratège de dire. C'est que tu as sans doute aussi du stratège en toi, Yo. Mais puisque tu connais les questions militaires, est-ce que tu les connais en tant que tu es stratège ou que tu es bon rhapsode? À mon sens, cela ne fait aucune différence. Comment? Tu prétends que cela ne fait pas de différence? Est-ce que tu veux dire que l'art du rhapsode et l'art de la stratégie ne forment qu'un seul art au lieu de deux? Un seul art, à mon sens. Donc,
quiconque est un bon rhapsode se trouve également être bon stratège. Absolument, Socrate. Donc, à l'inverse, qui est un bon stratège se trouve être à son tour bon rhapsode. Non, cette fois, il n'en est pas ainsi à mon avis. Mais par ailleurs, à ton avis, qu'en est-il de ceci? Est-ce que l'homme qui est en vérité un bon rhapsode est aussi un bon stratège? Oui, tout à fait. Or, toi, tu es le meilleur rhapsode de la Grèce. Oui, Socrate, et de loin. Et stratège aussi, Ion. Es-tu le meilleur stratège de la Grèce? Sache-le bien, Socrate. Et cela à coup sûr. Je l'ai appris dans Homère. Il se précipitait vers la lutte qui donne la gloire. Quand il voyait actifs des Danéens aux chevaux rapides, il les encourageait tout près de ses paroles.